voyager. Les autres, Madame de Vint. Alors Christine, tu vas nous faire un petit commentaire. C'est très beau, très hallucinant, c'est vraiment... L'admiration de l'homme et de la femme, les pieds d'une œuvre monumentesque, la réalisation extraordinaire, produit de l'esprit de l'homme, la Tour Eiffel. Salut, dis salut! Salut! Ah, je me fais pardonner, je lui donne un bon coup de melon, son petit. Ah, ça va, mon coco? Viens! Tu sais. Avec des cerisiers. Les pommiers. Dis salut. Thank you.
drôle. Comment tu trouves ça? Regarde ça, comment c'est drôle. Vivement de la bière chaude. Hey, c'est affreux. Ça, c'est du tofu, ça, chef. Ben, tu peux manger ça avec du pain, mais pas... Ouais, peut-être, pas même dans la salade, même. Peut-être que ça aurait été bon. Tu sais, là, ma mère, la salade de pois chiches puis de tout ce qu'elle faisait. Il est affreux. Faut que tu dis ça, que t'étendes ça sur ton pain, c'est sûr. Ben, c'est pas mangeable. Parce que du tofu, c'est bien du fromage de soya. Hein, un rogéranium. Ah! Ah ben... Ah ben oui. Un rogéranium. C'est quoi ça? Il y a des géraniums. Des géraniums. Ça s'appelle Roger. Tu le fais rigoler, Marty, il est mort de rire. Capitaine, il y a un mec, il a boire au saut. C'est sur le côte de Nice. Ah, c'est ça. Un petit salut. À la caméra. Ouais, salut. Ça, c'est Alain? Ouais. Martine? Ça, c'est Roger? La mademoiselle Lard nous a apporté des gars. Allez, un petit tour d'horizon, vite, comme ça. Nancy, t'as pas filmé Nancy? À tes pieds? Ouais, Nancy? Allez, Nancy, dis salut. Alors, on est parti de Noyon. On arrive maintenant à Lens, ici. Et nous en allons toujours sur la Nationale 44 à Reims, pour ensuite continuer vers Strasbourg. Puis Lens, ben c'est ça. C'est cool, ça. Hein? Hein? Pas une belle toilette, ça? Il y en a pour moi. Hein? Ah, là, je suis en très grand, très bien. Voilà. Merci, voilà. Bonjour! Bonjour à nos cousins québécois. Voilà. Quelqu'un qui vient jouer de la musique. Ouais, sauf que les boutons sont barrés. Alors ça gonfle des gros, tu sais, des soufflets pour le feu, ouais. Ça gonfle des gros soufflets. Des gros soufflets. Ça gonfle des gros choses comme ça. Je sais pas si les gens du 16e siècle ou du 15e siècle, en tout cas, pouvaient réaliser là, comment c'est beau. Ou si pour eux, c'était l'habitué. Excusez, c'est une réflexion philosophique devant cette beauté de la tu nature. Tu parles de moi? On est Ah, pas besoin. Oui, c'est également dans la route.